mes chers amis bonsoir, bonsoir dans mon live comme tous les soirs que vous soyez gilet jaune ou pas encore gilet jaune, bienvenue, bienvenue donc euh, ce soir doublement gilet jaune, hein, gilet jaune et euh, avec un fond gilet jaune voilà mes chers amis, comme euh, certaines cartes de, ce, de cette couverture 2017 vous hein, voyez la planète Trump est jaune. Le fond derrière Trump, qui est assis sur la planète Terre, est jaune. Je ne vous fais pas un dessin. Il y a du jaune partout. Voilà, mes chers amis. Alors, tout ceci pour vous dire, je vais être bref et je suis vraiment en direct. Je vois que ma connexion est attaquée. Bon, ben on va attendre. J'ai été coupé. Eh bien, on va attendre. Donc j'ai été coupé mes chers amis. Je vais attendre que ça reprenne. Allez, on va redémarrer à zéro. Donc là c'est en train de reprendre. Alors... j'attends que ça reparte ça n'a pas l'air de vouloir repartir voilà la censure en france la censure en france donc pour sur vk ça tient c'est euh, sur facebook que je suis censuré à mort euh, voilà Là, ça repart sur Facebook, donc je vais repartager à nouveau. Hein. Maintenant, je connais la musique, hein. la musique de la censure qui m'oblige à partager encore et encore jusqu'à être bloqué sur les partages. Eh bien, c'est ce que nous vivons en ce moment. C'est malheureux, mais il n'y a d'autre choix que de supporter. Et d'essayer de contourner et d'affronter hein, cette censure permanente. Donc, euh, de toute façon, je mettrai la vidéo complète, comme vous le savez, à comme à chaque fois, sur mon YouTube. Là, pour l'instant, malgré que ça a bugué sur VK, c'est la conséquence de la coupure sur Facebook et de la censure de manière générale. Et bien, euh, là, pour l'instant, sur VK, ça tient. Et donc, je vous disais en préambule. Hein, j'avais un fond jaune. le t-shirt jaune et le gilet jaune. Euh, comme vous voyez hein, sur les, la couverture 2017, vous voyez, il y a du jaune euh, absolument partout, y compris le fond jaune. donc, derrière euh, trump, qui est assis sur la planète terre, il y a des jeunes. donc, sur les, euh, la géographie, hein, les pays, les continents, Là je vous passe la révolution donc, des gilets jaunes. Ici vous avez du jeune enfant, du jeune euh, donc euh, autour du du magicien, du jeune enfant et là ici nous avons une étoile filante jaune donc avec plein d'étoiles euh, jaunes. Donc vous voyez bien que euh, tout se rejoint rejoints et depuis depuis très longtemps euh, je fais donc ce live pour une seule et unique chose déjà pour vous euh, vous avouer que moi même j'ai je me suis fait avoir je me suis fait prendre euh, au jeu euh, du décryptage au jeu de la course euh, derrière les indices je fais tout ça uniquement dans le but de vivre sereinement avec mes enfants, de retrouver mes enfants. C'est mon seul but. Et je dois donc, euh, j'ai envie de m'ouvrir à vous pour rester comme je l'ai toujours été, honnête jusqu'au bout et de vous dire qu'entre autres propositions, j'ai reçu des propositions dans tous les sens des, de personnes, euh, on va dire, euh, normales, simples comme vous et moi, qui proposaient ne serait-ce que euh, l'hébergement, hein, malgré qu'elles n'ont pas de place, ces personnes, euh, jusqu'aux propositions les plus, les, plus, les plus hautes et les plus élevées de certains services, hein, si ce n'est pas, si pas de la maçonnerie elle-même. Hein. Donc, euh, pour que euh, je finisse un peu comme ceux que vous voyez médiatisés, soi-disant qu'il y en a un qui, qui est camionneur, l'autre qui est au minima sociaux, et ainsi de suite, hein. et ainsi de suite, et euh, l'autre qui est soi-disant journaliste, etc. Donc, euh, motivé par l'envie de retrouver mes enfants, parce que c'est ce qu'on m'a fait comprendre et par l'envie de protéger ma famille et, euh, et donc euh, de vivre enfin sereinement avec mes enfants, mes parents, avant qu'ils ne décèdent, et etc., avec toutes les personnes que j'aime, hein, toutes les âmes, toutes les âmes que j'ai aimées, que j'aime et que j'aimerais, que ce soit homme, femme, ami, famille, ex, femme actuelle enfant je me suis pris je me suis laissé prendre au rêve et au jeu et donc j'ai failli j'ai failli m'embarquer dans, dans ce qu'on me proposait voilà mes chers amis donc je n'ai pas pactisé avec le diable je n'ai pas cédé je n'ai pas cédé je sais que je vais le payer cher. je sais que j'avais l'occasion d'avoir mes enfants. mais, euh, mais je n'ai pas pu faire ça, voilà. Euh, donc voilà ce que je vais vous dire, c'est que je me suis fait moi-même manipuler, submergé par l'information euh, de, 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 de soi-disant donc indice, révélation, analyse que j'ai reçues dans tous les sens, ce qui a faussé mon jugement, euh, je crois euh, m'être trompé dans le dans le dernier live. Euh, mais je vais vous dire avec certitude ce soir, c'est une certitude que j'ai à 100%, euh, c'est que il faut il faut que je prenne du temps et du recul pour euh, analyser par moi-même, avec mes propres yeux et mon propre cerveau et ma propre intuition, c'est le plus important, et de revenir vers vous lorsque j'aurai une réponse euh, avec laquelle je suis à l'aise personnellement et que je valide, et ma réponse à moi, hein, pas les, pas les, 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 les manipulations et les, les, les chemins dans lesquels on essaye de me mettre. Tout le monde manipule tout le monde. Les vidéos, au final, on ne sait pas vraiment, au final, quel est le faux du vrai. Les informations, les, les, les... tout est manipulation. Euh, et je n'ai pas envie de participer à ce jeu et vous manipuler moi-même. Voilà. Donc je vais vous dire... Bon, ben, ma connexion est encore attaquée, mais je mettrai la vidéo. Je la mettrai donc euh, en entier sur euh, mon YouTube. Je n'ai pas répété 20 fois ce que j'ai dit. Donc tout ça pour vous dire, les amis, que euh, il y a un événement grave qui va se produire. Vous le savez, hein, je ne vous apprends rien de nouveau. Il y a des événements graves qui vont se produire et il y en a un particulièrement que je peux... Vous annoncer sans euh, c'est ma propre intuition c'est medim in nawar c'est que euh, l'attentat qui aura l'attentat gravissime qu'il y aura, euh, qu y aura hein, et que euh, qui est attendu depuis très longtemps annoncé par toutes les prophéties les couvertures d'économistes euh, pour moi, d'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai recoupé, se produira malheureusement en France et je pense déjà sur Paris et je pense que depuis longtemps en plus on nous a préparé à ça. Je pense que ce sera contre la tour Eiffel. Pour l'instant, je ne connais pas, je n'arrive pas à décoder la date et c'est pourquoi j'ai besoin de prendre le temps de me retirer je sais je vois ma connexion qui est attaquée peu importe je mettrai la vidéo euh, par la suite sûrement euh, sur mes comptes youtube donc c'est pas la peine de m'appeler euh, donc mes chers amis je vais me contenter tous les soirs de vous faire euh, un live court juste pour vous dire que tout va bien pour moi ça sera extrêmement court et pour le reste du temps je vais m'en consacrer je vais m'en consacrer euh, totalement à, euh, à l'analyse à ma propre analyse à prendre du temps du recul pour essayer de voir si je ne peux pas obtenir plus d'éléments et plus de de, de de certitude plus de, de décryptage et si c'est possible cette fameuse date éventuelle qu'on puisse éviter la la, la l'apocalypse qu'ils nous ont préparé. Mes chers amis, donc vous donnerai euh, j'essaierai de vous donner des informations tous les jours, tous les soirs. Euh, J'ai reçu plein de propositions donc je m'adresse une nouvelle fois. Euh, aux personnes qui ne font partie d'aucun service. Si vous voulez, si vous voulez, euh, en tant que simple personne de résistant, euh, me rejoindre pour me protéger et qu'on se protège les uns les autres, eh bien, c'est le moment ou jamais. Je ne sais plus à qui me fier. Euh, voilà, j'ai partagé avec vous là où j'en étais. Je, me devais ça, je vous devais bien ça. Et, et par contre, les gilets jaunes continuent. Il est hors de question de s'arrêter. La résistance euh, donc, qui s'est formée autour euh, de leur propre création, les gilets jaunes, doit continuer. La résistance, c'est chacun d'entre vous, c'est nous. Nous sommes les êtres humains, nous sommes les indépendants, les résistants. Même si nous sommes étouffés dans notre vie affective, financièrement, familialement, même si euh, votre serviteur, comme beaucoup d'entre vous, je pense même les gilets jaunes médiatisés, qui sont coincés parce qu'ils euh, ont pactisé avec le diable, je vois qu'il y a beaucoup de cas où euh, c'est des pères qui ont euh, des petites filles ou des enfants. Et on peut imaginer que c'était le deal hein, pour euh, comme, comme j'ai failli euh, sauter le pas pour donc euh, réobtenir le droit d'être père. Donc euh, donc je vais arrêter de leur de leur jeter la pierre. Je vais arrêter de leur taper dessus. Je vais juste m'occuper moi-même de tracer mon chemin me suivra celui ou celle qui voudra et si j'arrive à avoir des décryptages vous les délivrerez et si on a d'entre vous qui veulent m'aider financièrement ou par quelque moyen que ce soit en me proposant des locaux pour que j'y installe quelques résistants et qu'on puisse travailler et se protéger eh bien proposez envoyez-moi envoyez-moi vos propositions si euh, vous pouvez aussi me donner des idées de comment euh, avoir donc des fonds, un trésor de guerre pour la résistance, pour que je puisse moi-même acquérir du nouveau matériel, parce que j'aimerais avoir au moins un deuxième portable euh, rapide. Mes autres portables sont sont euh, obsolètes. Euh, je, je suis euh, bloqué sur euh, sur mon Facebook principal, je ne sais pour quelle raison depuis le live d'hier. Donc là, je diffuse à nouveau sur le Facebook de secours. Et donc, euh, donc voilà, je vais me débattre comme je peux. Nous n'avons plus le choix et nous ne pouvons plus reculer. Advienne que pourra de votre serviteur. Je vous en supplie donc, protégez mes enfants, ma famille, comme vous pouvez. Menez à terme cette révolution. Et tant que je suis là, je serai là. Mes chers amis, je vous souhaite donc une bonne soirée et une bonne nuit. Euh, samedi, pour l'acte 17, tout le monde, ils ne peuvent pas nous attaquer tous. Ils ne peuvent, ils ne peuvent pas... Nous déporter, nous tuer tous. Si vous voulez être solidaire avec moi et avec les autres, y compris les gilets jaunes, les faux gilets jaunes qui sont tenus, qui ont pactisé avec le diable, souvent pour des raisons qu'on peut comprendre, à mon avis, pour raisons familiales, d'autres pour la cupidité, mais je pense que malgré tout, on est tous tenus hein, par nos enfants, par nos familles, par nos parents. Ceci est parfaitement compréhensible. Donc voilà, je vous demande d'être indulgent avec eux moi-même. Je me remets et je vais me remettre en question. Et plutôt que de, 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 de démontrer qu'ils sont en train de vous mener en bateau, qu'ils sont en train de lire un prompteur, comme j'ai failli moi-même faire. On va plutôt se concentrer sur le combat. On va plutôt se concentrer sur le comment de libérer notre pays et l'humanité de ce qu'ils nous ont programmé. De ce que euh, cette haute élite maçonnique, cette mafia des hautes sphères et au-delà, nous a préparé. Tout est faux, y compris y compris les vidéos et les journaux et les informations que même nous, les chercheurs de vérité, euh, nous, euh, nous détenons comme euh, réellement vrais. finalement, euh, nous ne savons pas où commence et où finit la manipulation. Donc un, il y a un, un, un vaste jeu de pistes qui a été lancé. Je n'en connais pas, euh, je n connais pas la, la, les raisons. Je ne sais pas, ça amuse qui J'ai l'impression que je suis et qu'on est tous, chacun indépendamment, dans un euh, vaste euh, Truman Show euh, planétaire. Et les, 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 les codes le jeu à décoder, c'est les couvertures de the economist. ce qui est certain, c'est qu'il se produira, ce qu'ils ont préparé depuis longtemps, c'est-à-dire euh, un événement, des événements euh, apocalyptiques. les guerres et les révolutions s'enchaîneront. et ensuite, ils installeront donc ce qu'ils ont préparé. Euh, cette nouvelle religion, cette euh, ce, ce, ce gouvernement unique, uni, mondial. Donc voilà, je vais essayer de décoder pour qu'on puisse pour la première fois avoir les dates, les tenants et les aboutissants avant que cela ne se produise. Parce qu'à chaque fois, une fois qu'on a subi, on a réussi à avoir les indices, mais jamais avant. Aujourd'hui, je sais que ça se produira, c'est sûr, sur Paris. Ensuite, je présume, je spécule, je me dis que ça sera la Tour Eiffel. Pour le reste, il faut que je prenne le temps. Voilà, mes chers amis. Donc, je vais voir si je peux euh, saluer quelques-uns d'entre vous et on va se laisser. Eh bien, euh, de ce que je vois, euh, il y a Dominique Perret, euh, bonsoir, et sur VK, Yassad Saïd et Did Muslim. Bonsoir les deux. Ensuite, je sais que ce live a été massacré euh, par les coupes réseau. Euh, Liles euh, Claudia Ali Chabichik, euh, euh, Ali Basma, Claudia, Zakalski, Liles Les. Euh, donc tout ça sur Facebook. Euh, Felice, euh, Valérie. Euh, bonsoir les amis. Hein. Bonsoir. C'est infesté de trolls, je sais, mais euh, ce n'est pas grave, bon message. Ce que j'ai voulu euh, dire, euh, je l'ai dit. Merci Claudia. J'ai dit ce que je voulais dire. Euh, on va s'arrêter. Je vous souhaite donc une bonne nuit. <laughs> Avant 21h. Une bonne nuit et on se retrouve si tout va bien. Enfin je l'espère. Si vous ne me voyez pas, cherchez après moi. Et faites-leur la peau euh, jusqu'au dernier. Mes chers amis, bonne nuit. Et donc, euh, je, je lis Virginie qui dit c'est pas possible tu prends des trucs sérieux, tu es illuminé non Bah, ben, je sais pas si je suis illuminé dans le sens. Euh, si je fais partie de la franc-maçonnerie, je n'en fais pas partie, en tout cas pas pour l'instant, euh, bien que j'ai été approché. Non, mais par contre, ce qui est, euh, ce qui est troublant, c'est que mon nom de famille, euh, Mnawar, en arabe, ça veut dire « illuminé ». Là, je ne vais pas nier que je m'appelle « illuminé hein, ». On ne peut pas le nier. Allez. Euh, Raja Bouchefa, tu dis « écoutez, allez voir euh, Siyed Gwasmi. Très bien. Chabi euh, tu dis les trolls ça suffit je suis d'accord avec toi, bonsoir bonsoir Marie Lefebvre Tavernier alors les amis donc Ali Basma tu es Nawak7 sur Youtube, génial merci beaucoup Chabi les amis, on s'arrête bonne nuit et à demain, normalement j'ai je, je l'habitude de dire à ce soir, mais là euh, dans une minute il sera 21h c'est une première à demain les amis